qu'il y a un fantôme qui fait le jump, c'est ça le truc? Visualisé. Oh! C'est... Non. What? Oh my god, il a enregistré mes mouvements! Et il fait exactement ce que j'ai fait! Oh, c'est incroyable! Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, une map faite par un abonné, le talentueux... Bonjour, pour voir les différentes créations, suis le chemin. Tu peux utiliser chaque zone de test comme tu le souhaites. Pense à activer le son où il y a quelques effets sonores. Oh, le son, le son. Évidemment, on n'oublie pas le petit pouce bleu pour soutenir eh bien, le créateur, déjà, le petit pouce bleu. Et ensuite, tu me dis en commentaire eh bien, ce que tu aimerais, enfin, surtout la note que tu donnerais à cette map à la fin de la vidéo. Alors, une mine qui explose lorsqu'un joueur marche dessus. Pose simplement la mine au sol, elle est détruite s'il n'y a pas de bloc sous elle. D'accord, donc là, on a ici une mine. Ok, et du coup, une mine. Et là, du coup, je... Oh, mais le look est carrément stylé. C'est quoi, c'est un mini-bouton? Ouais, on dirait un mini-bouton, mais genre miniaturisé. Il y a peut-être un genre un armor stand qui le tient, comme ça, c'est plus petit. Et là, du coup, si je marche dessus... Waouh! Ah oui, en plus, ça fait pas genre une petite explosion, ça fait une énorme explosion, en plus. Oh, c'est trop stylé. C'est carrément stylé. En plus, voilà, ça a le côté mine. C'est un peu glauque quand t'y penses. Mais c'est un peu comme genre une vraie mine. Tu vois, il y a un petit bout qui dépasse. Et là, tu marches dessus, tu l'actives. Bam! Ça explose absolument tout. C'est trop, trop stylé. Super cool. Un fantôme reproduisant un parcours. Essayez de le battre. Clique sur Start pour enregistrer. Puis sur Finish pour arrêter le parcours. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, alors attends. Visuel... Start. Et là, du coup, ça fait un jump parcours. Ça fait un jump fantôme? Comment ça un jump fantôme? Hop, 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 hop. D'accord. Ouais, il y a encore un truc là, ok. Tac. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je ne comprends pas. Là, on a le jump. Ok, on monte. Floup, 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 floup. Voilà. D'accord. Attends, 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 attends. Est-ce qu'il y a un fantôme qui fait le jump? C'est ça le truc? Visualiser. Oh! C'est... Non. What? Oh my god, il a enregistré mes mouvements. Et il refait exactement ce que j'ai fait. Oh, c'est incroyable. Mais comment il a fait ça? Mais comment il a fait... Mais... Oh ma... Oh, je suis choqué. Oh, je suis choqué. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Oh, oh. Comment c'est possible? Allô? Oh my god. Oh, mais je suis choqué. Et là, du coup, en fait, c'est le reset, tout simplement. D'accord. Reset. Mais comment il a fait ça? Comment il a pu enregistrer toutes mes positions et même quand je me suis tourné et tout pour en faire un fantôme? Mais c'est génial! C'est... Mais alors là, si t'as pas mis de pouce bleu, mais le tout de suite en fait. Mais le tout de suite! Non mais c'est incroyable! C'est incroyable! Un fantôme qui se bat sur tes mouvements. Mais c'est juste fou! T'imagines ça dans une map aventure? Genre pour faire le tuto, pour expliquer, bah voilà, comment est-ce que tu as accès à telle ou telle map? Tu t'enregistres toi, et ensuite tu fais un mode fantôme pour, voilà, pour aider les autres. Non mais t'imagines un peu comme c'est trop stylé. Ah, par contre ça j'ai jamais réussi à comprendre comment ça marchait, j'avoue le miel, ça j'ai jamais réussi à comprendre comment ça marchait, je vais réessayer. Il faut que je regarde vers le haut, c'est ça? J'ai jamais réussi à comprendre comment ça marchait. La vérité, j'avais fait une fois le jump, j'ai jamais réussi. Bref, et là du coup, prévisualisé, et là on a le agent GB qui actionne et qui s'en va. Non mais c'est... Le pire c'est qu'en plus il m'a enregistré appuyé sur start, ça veut dire qu'il m'a enregistré déjà en avance. C'est incroyable. C'est la création la plus folle, la plus badass que j'ai jamais vue jusque-là. Mais vraiment, que j'ai vu jusque-là. Vraiment, mais bombarder les commentaires. Par contre, ouais, je sais vraiment pas comment faire. Là, vraiment, je sais vraiment pas comment faire. Enfin, en tout cas, c'est trop, trop, trop la classe. Vraiment, un abonné de génie. Je sais pas si plus tard, il va être développeur ou quoi que ce soit. Mais là, mec, genre, c'est incroyable ton talent. C'est incroyable. Alors, caméra de sécurité. Des caméras de sécurité. Posez les caméras où vous souhaitez. Appuyez sur le bouton contrôle pour les utiliser. D'accord. Donc là, je vais pouvoir... C'est incroyable. Ce mec est fou. Ce mec est incroyable. Alors du coup, je vais poser une caméra ici quand même pour ripper la petite chauve-souris. Voilà. Ensuite, je vais poser une caméra ici, tu vois, pour surveiller un peu qui se balade par ici. Ensuite, en fait, faut réfléchir aux angles morts. Genre là, on a un angle mort. On a une vue là-dessus. Très bien. Là, on a un angle mort. On va mettre une caméra ici. Pof, pof. Ensuite... Et là, du coup, maintenant, je vais devoir appuyer sur contrôle et je peux regarder les caméras, c'est ça? Contrôle. Oh, c'est trop stylé. Je suis une caméra. Par contre, comment est-ce que je fais pour passer d'une caméra à l'autre? Genre, j'ai le droit qu'à mettre une seule... Attends, comment est-ce que je peux passer d'une caméra à l'autre? Comment je peux...
Comment je peux passer pour d'une caméra à l'autre? Appuyez sur sauter pour passer à la suivante, appuyez pour s'accroupir pour s'arrêter. Oh, il a pensé à tout, c'est incroyable. Donc là, si j'appuie sur barre espace, je vous fais goûter. Et en plus dans l'ordre, oh non mais c'est trop stylé, c'est abusé ce talent, non mais frérot, mais quel talent, c'est juste fou un talent pareil, c'est absolument incroyable. Ah je suis ému, franchement je suis ému parce que des abonnés comme ça, enfin c'est incroyable. Je commence une chaîne et tout, j'ai des gens qui s'abonnent à ma chaîne, et ensuite voilà je promeux des créations d'abonnés, et j'ai des abonnés qui me pondent des trucs comme ça, qui ont dû prendre mais des heures à mettre en place, c'est juste incroyable. Incroyable, un tel talent, franchement, je suis choqué, franchement, c'est vous, je suis honoré, en fait, c'est moi qui suis honoré. Les gens me disent, ouais, je suis honoré que tu fasses mes créations, je suis honoré que tu fasses ma chaîne, ma map en vidéo, mais mec, c'est moi qui suis honoré de tester des créations pareilles, c'est juste phénoménal, c'est juste faramineux, et franchement, c'est juste, je suis honoré, c'est trop la classe. Allez, du coup, création suivante, on a le drone, le fameux drone qui était buggé la dernière fois, alors je me souviens plus dans quelle mesure il était buggé, mais bref, alors, un drone à piloter ou en autopilote. Pour utiliser un objet, utilise le raccourci de seconde main pour mettre l'objet dans la seconde main, d'accord. Crafter le drone dans le dropper à droite, poser le drone au sol, puis utiliser la télécommande en seconde main. D'accord, donc là je vais du coup récupérer tous ces items. Ah, des hérites x8, bah oui, mais si tu précises pas aussi. Voilà, là on a le drone et en plus ça nous donne la télécommande, c'est de toute beauté, c'est parfaitement utilisé. Du coup je mets la télécommande dans cette main, ok, jusque là tout va bien. Alors déjà je vais essayer de comprendre déjà pour le premier drone, en pilote auto le drone peut franchir les mobs à focus, d'accord, et là ping ici. D'accord, donc il faut que je pose le drone ici. Wow, ok, backward, down, right, et attends c'est quoi déjà pour faire l'opposé? Ah oui, le livre action dans la main, ah, trop stylé. Et du coup genre, oh, what? Mais what? Ah, faut que je la mette dans la main, c'est ça? Hop, backward. Oh, ok, d'accord. D'accord, ah oui, et le ralenti, c'est F2, c'est ça le... Non, c'est quoi déjà le truc pour le mettre dans la main principale? C'est la touche F, d'accord, la touche F. Donc si je fais ça, et que j'appuie sur F... Oh, c'est tellement stylé, c'est tellement stylé. Et là du coup, up, voilà, down. Oh là 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 là, mais quel monstre. C'est dingue. Et en plus, le truc, c'est qu'en plus, ça arrête l'action dès que tu l'enlèves de la main. C'est ça qui est génial. C'est trop la classe. Et là, du coup, action, stop, exit. Alors, stop, ça, je sais pas. Non, là, je vais juste, du coup, mettre action en appuyant sur F. Focus, du coup, ça fait quoi? Ah oui, donc là, ça met les mobs à focus. C'est ça. Oh là là, ça lance des roquettes. Focus. Oh! Et là, ça l'attaque à l'infini. Et ça le tue. Oh là 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 là, trop stylé. Genre là, par exemple, si je focus ce magma cube précisément. Hop. Oh là 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 là. Oh, incroyable. Follow. Donc là, par exemple, si je fais follow ce truc, ça... Ah non, là, ça le tue. D'accord, non. Alors, comment te dire? Ah oui, d'accord, il tue tout. Ah oui, tue tout. Il me suit. En plus, il attaque les mobs hostiles. Oh là là, trop stylé. Return to home. Donc là, si je fais return to home... Oh, il retourne à sa base. Oh non, mais c'est trop badass. Et là, du coup, si je fais TNT... Donc là, si je fais TNT, ça va dropper une TNT. Oh là là, trop stylé. Avec le petit bruit et tout. C'est trop la classe. J'espère que le son sera pas trop fort. C'est toujours compliqué. Et là, du coup, ping. Un flash marquant les entités à proximité. Ok. Du coup, si je fais back, tac, comme ça, et que je fais apparaître, par exemple, un petit cochon comme ça, là. Tac, et que je fais l'option ping. Oh là là. C'est trop la classe. Ah oui, du coup, j'ai exit. Oh là là, c'est trop la classe. Et du coup, on peut exit pour de bon. Et laisser le petit truc faire sa sentinelle, si tu l'as bien programmé, pas comme moi. Merci d'avoir fait la map. Retrouvez mes créations sur Planète Minecraft avec le pseudo... J'ai récemment sorti une map solo multi avec des jump droppers et puzzles nommés Misk. Ah bah alors là les amis, allez-y quoi. Là vous avez tous ces pseudos Instagram, etc. Il y a un arc pour tout péter dans le baril en dessous. Là franchement, allez-y, testez sa map en Planète Minecraft. Là vous pouvez tester les trucs que j'ai testé avec, voilà, en exclusivité. Et vous pouvez le tester, mais foncez quoi. Et là du coup ça fait... Oh là là, et en plus... Oh. Ah, ça fait tout exploser, en plus ça drop une TNT. Ah ouais, le mec a pensé à tout quoi. Transition cochon. Bon bah du coup voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu du tout. Vraiment, mais bombarde-moi les GG en commentaire et les pouces bleus sur cette vidéo parce que c'est juste trop la classe. Non mais cette arme multi-flèche avec en plus un mix parfait, je kiffe. Donc voilà, surtout voilà, abonne-toi à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, sur la vie belle. High five.